Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo budget qui sera mon budget du mois de février. Oui, on arrive déjà au mois de février et il est temps de d'établir le budget. Donc j'espère que vous avez établi le vôtre ou vous avez commencé ou vous êtes en cours de construction. En tout cas, moi je l'ai fait et du coup on va voir tout ça ensemble. Je tenais d'abord à me représenter puisque j'ai vu que vous étiez nombreux à rejoindre ma chaîne, donc bienvenue à vous. Je m'appelle Émilie, j'ai 31 ans, je suis en couple avec mon chéri depuis 13 ans maintenant. Nous ne sommes pas mariés, nous ne sommes pas paxés. Nous avons deux petites filles, une de 5 ans qui va avoir 5 ans au mois de février et une qui a 2 mois et demi, voilà, donc Mia et Luna. Pour ceux qui connaissent, puisqu'il y en a certains qui connaissent mes enfants. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire? Je travaille chez Aldi, je pense que ça vous le savez puisque j'en parle dans mes vlogs. Mon chéri est dans la restauration. Nous avons un chat et un chien en termes d'animaux avec un petit poisson rouge aussi. Voilà, on va pas l'oublier. Et puis voilà, donc je pense que j'ai fait le tour. Je vais pas épiloguer sur ma vie non plus, hein, mais voilà un petit peu grosso modo ma présentation. Donc on a commencé les enveloppes budget au mois de juillet 2022 et depuis ce mois-ci, franchement je ne regrette pas du tout cette méthode. Elle est juste top. Si vous avez vu mon bilan 2022, vous avez bien vous avez bien vu qu'on a fait énormément d'économies en sachant que on ne faisait jamais d'économies auparavant. On était toujours à découvert. Voilà, on avait peur du fin de mois, etc. Mais voilà, maintenant, on est serein. On a des économies de côté. Donc, voilà, s'il arrive un petit pépin, on sait qu'on a des sous de côté. Voilà, sur ce, la présentation est terminée. On va passer au budget du mois de février. Donc, j'ai mon petit brouillon à côté de moi. Donc, on va venir remplir le petit document. Je voulais juste préciser au mois de janvier le document que j'ai utilisé puisque je n'ai pas parlé de cette personne et j'en suis vraiment désolée si tu passes par là. Je l'ai eu sur... je lui ai demandé, c'est dans ma vie de maman budget, donc elle a une chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube. Bon, en ce moment, elle est à la maternité puisque son deuxième enfant est arrivé. Donc, mais voilà, j'ai eu de sa part, très gentiment, je lui ai demandé sur Instagram si elle pouvait m'envoyer la photo de son support budget. Donc voilà, c'est chez cette personne-là, pardon, que j'ai eu ce support-là. Donc voilà, je voulais quand même vous le préciser parce que j'avais oublié. J'ai parlé de blush budget, mais... j'ai pas parlé de... dans ma vie de maman budget. Voilà, donc je vous mettrai sa chaîne en barre d'infos. Et n'hésitez pas à aller voir ses vidéos qui sont super. Allez, on passe au mois de février. Donc pour le mois de février, par contre, là, j'ai vraiment imprimé tout de chez Blush Budget parce qu'en fait, si vous voulez, là, il y a tout ce qui est prévu, réel, date, etc. Et je pense que ça, c'est bien pour avoir un petit suivi total du mois. Donc voilà, j'ai tout imprimé. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais les sortir parce que pour écrire sur le classeur, c'est un peu compliqué. Donc on va sortir le budget mensuel, les charges variables, les enveloppes épargne. Et ça, on le fera plus tard puisque je ne vais pas faire de remplissage aujourd'hui. Donc voilà, là, j'ai imprimé tout ça. Les charges fixes, ça, ce sera ce que je ferai hors caméra. Donc, ce sera vraiment mon détail de charges fixes avec la date du prélèvement, le montant, etc. Donc, j'en ai imprimé deux puisque sur une seule page, mes charges fixes ne rentraient pas. Et il faudra également que j'imprime les dépenses du mois que je n'ai pas fait. Alors, c'est parti. On va se mettre sur la table. Et bien sûr, en deuxième partie, je vous montrerai les défis que j'ai décidé de faire au mois de février. Donc, on va aller sur le mois, sur le budget mensuel. Donc, j'espère que vous voyez bien. Donc, je vais prendre un petit stylo marron pour écrire, un petit stylo violet pour les montants et un stylo bleu pour les totaux. Comme ça, au moins, vous verrez un petit peu ce qu'il en est. Alors, là, j'ai fait des revenus approximatifs puisque nous, c'est toujours, ça change toujours nos salaires. Donc, j'ai mis vraiment le minimum qu'on peut avoir, c'est-à-dire 1 500 € pour moi et mon chéri. Donc, moi, il faut savoir que dans mes 1 500 €, j'ai 345 € de la CPAM puisque mon congé maternité se terminait le 10 janvier. Donc, ils m'ont payé mes 10 jours. Et ensuite, j'ai mon salaire qui complétera. Donc, j'ai complété pour aller à 1 500. Mais vu que j'ai fait des dimanches, etc., je pense qu'il sera un petit peu plus, un peu plus conséquent. Mais de toute façon, là, j'ai marqué prévu réel. Donc, dans ces cas-là, je modifierai par la suite. Alors, du coup, le salaire 1 qui est moi. Donc, j'ai mis 1 500.
Mon chéri, lui, bah, pareil, je lui ai mis 1500, mais je sais qu'il aura plus. Mais bon, je préfère mettre le minimum. Ensuite, on a la CAF, qui est de 576 euros. Donc, ça comprend la prime d'activité, l'allocation de base pour les filles et l'allocation familiale. Voilà. Et j'ai mis autre. Je vais mettre également mon revenu YouTube, qui est de 145 euros. Donc là, j'ai mis à l'euro inférieur à chaque fois. Hein. Donc là, c'est normalement, c'est 560... je crois que c'est 576 et des brouettes. Et là, c'est 144 et quelque chose. Donc, j'ai mis 145. Donc, on est sur un total de 3720 de revenus. Donc là, reste à vivre, ben, je vais mettre 3720. Et je viendrai ici voir le réel qui... Voilà, le réel, hein, clairement. Voilà. Là, je vais voir si je mets les dates ou pas, mais je pense pas. Enfin, je sais pas. On verra par la suite. Je le ferai de mon côté. Ensuite, on va passer aux crédits dettes. Alors, pour les crédits dettes, j'ai rassemblé parce que j'avais pas assez de cases. Donc, déjà, sur le compte commun, hop, compte commun, on a 407 euros. Donc, pareil, là, j'ai arrondi à l'euro supérieur. Donc, 407 euros, ça comprend, on a un crédit conso et un crédit renouvelable, voilà. Ensuite, on a des cartes. Donc, nous, il faut savoir qu'on est chez la caisse d'épargne. Et en fait, on a souscrit à des cartes, vous savez, pour avoir un petit crédit, donc 1000 euros pour chaque carte. Et bien évidemment, on a utilisé ces 1000 euros, donc bien avant de faire ces systèmes des enveloppes. Donc, c'est pour vous dire pourquoi on a beaucoup de crédits. Voilà, c'est parce que... on s'endettait, donc forcément, on avait besoin de crédit. Donc là, ça nous fait 74 euros pour tous les deux, puisqu'on a une carte chacun. Ensuite, j'ai Cofidis. Pareil, hein, c'est des crédits que j'ai demandé. Et Oney Bank. En sachant qu'Oney Bank, eh ben, c'est terminé. C'est le dernier mois que je... Bah, mon crédit est fini au mois de février. Donc ça, je suis trop contente. J'aurai plus 61 euros par mois à payer. Donc ça, c'est trop cool. Et du coup, ça fait 144,85. Donc, j'ai 132 de Cofidis. Et la dernière mensualité de Oney, elle est de 12 euros et quelques. Donc, ça, c'est trop, trop cool. Et ensuite, mon chéri, également, il a fait un crédit renouvelable qui coûte 110 euros par mois. Donc, oui, on est quand même sur des crédits assez importants. Mais voilà, on essaye de faire en sorte de les rembourser rapidement. Donc, pour un total de 735,85. Voilà. Donc, si je déduis mes revenus moins ces crédits-là, il nous reste 2984,15. D'ailleurs, je devais changer de crayon. Bah, je ne l'ai pas changé, enfin de stylo. Donc, j'espère que vous verrez bien. Mais de toute façon, au montage, je vous ferai un petit zoom dessus. Ensuite, on va passer aux charges fixes. Alors, pour les charges fixes, pareil, j'ai regroupé des choses puisque je n'avais pas assez de catégories. Donc, déjà, dans un premier temps, on a total... énergie, donc c'est EDF, etc. Donc, on en a pour 71 euros. Donc, c'est gaz et électricité inclus. J'espère que vous voyez bien parce que je ne sais pas s'il y a de la luminosité. Si, peut-être. Ensuite, on a notre box orange, donc qui est de 28 euros. Alors, normalement, c'est 27,99, hein, mais voilà, j'arrondis. On a notre loyer de 700 euros. Voilà. Les cotisations de toutes les cartes. Enfin, de toutes les banques, du moins, on en a trois. Donc, ça fait 30 euros. Les téléphones, donc, il y a le mien et mon chéri. Donc, moi, c'est 13 euros, pardon, et lui, c'est 10. Donc, ça nous fait 23 euros. On est chez SFR. Les assurances. Donc, assurance, on est à 75,60. Donc, ça comprend assurance habitation, assurance voiture. J'ai une assurance de 4 euros et quelques sur le compte aussi. Et l'assurance juridique, je ne sais quoi. Donc, ça fait 75,60. J'aurais pu mettre 76, mais je n'ai pas fait. Donc, c'est pas grave. Mutuelle, ça nous fait 71 euros. Donc, j'ai la mienne et celle de mes deux filles, puisque celle de mon chéri est prélevée sur son salaire. Donc, je ne le mets pas. Ensuite, j'ai regroupé Apple et HP. Donc, Apple, c'est pour ma capacité du téléphone et HP, c'est pour mon imprimante. Donc, j'ai mis 10 euros chez HP parce que j'ai imprimé pas mal de pages et à mon avis, je vais être hors forfait, on va dire. Donc, du coup, ça me coûte 13 euros. Apple, c'est 2,99 et HP, du coup, 10 euros. Amazon, hop, du coup, j'ai baissé à 10 euros puisque je l'avais mis à 12 euros les mois d'avant.
Sauf que là, c'est 70 euros. Donc, je vais mettre 10 euros pendant 7 mois pour avoir les 70 euros. Et je ne pouvais pas mettre 6 euros, en fait, puisque moi, c'est un virement. Ce n'est pas, physique. Donc, du coup, je fais un virement de 10 euros sur mon livret A. Et ensuite, quand mon prélèvement se passera, je refais un virement sur mon compte normal. Ensuite, on a la trottinette de mon chéri. Donc, je vous avais dit qu'il avait fait un paiement en 4 fois. Et là, c'est le dernier paiement de 30 euros. Les autres, c'était 110 euros. Donc, on est content. Ça fait 30 euros. Ça fait déjà ça en moins. Et depuis le mois dernier, on a rajouté Disney Plus de 9 euros. Donc, 8,99. Mais moi, j'arrondis à 9. Ce qui nous fait un total de 1060,06. Et le reste à vivre. Donc là, j'ai déduit mon revenu moins ça. Non. Moins ça, pardon. Moins les crédits. Moins 1060. On est donc à 1924,06. 09. Pourquoi 09? Je sais pas, c'est 06. Donc le reste à vivre, c'est ça. Donc, je regarde en même temps si vous voyez bien. Je vous zoomerai de toute façon, parce qu'en plus, j'ai même pas changé de stylo, j'aurais dû. Donc voilà ce qui nous reste à vivre pour mettre... non, il me reste les charges variables, puisque j'ai séparé charges fixes et charges variables. Donc là, on va passer sur les charges variables. Donc, j'en ai pas beaucoup. Donc, j'ai mis achète collection. Parce que ça bouge en fait. Moi, elle est à 51,96, donc 52. Sauf que quand je reçois un classeur, parce que vous savez, c'est la collection que je fais de Mia, de la maison de poupée. Et on reçoit des classeurs de temps en temps pour mettre les livrets. Et du coup, ça augmente un petit peu de 2 ou 3 euros. Donc là, je ne sais pas du tout. Là, j'en ai reçu un il y a 2 mois. Donc normalement, ça ne devrait pas bouger. Mais voilà, je l'ai mis dans le charge variable puisque ça bouge. Il y a des mois où c'est plus élevé. Donc je l'ai mis à 52 euros. Ensuite, on a la facture de l'école. Puisque c'est tous les 2 mois. Donc, moi, je prévois toujours 140 euros. Puisque ça ne dépasse jamais 138. Donc, voilà, 140. J'ai rajouté ma sœur à 50 euros. Parce que si vous suivez mes vlogs, si vous me suivez depuis un petit moment, je vous ai parlé que ma sœur me garde les filles quand moi et mon chéri, on travaille tous les deux. Et du coup, j'ai prévu de lui donner 50 euros par mois puisqu'elle me la garde quelques heures dans le mois. Et elle voulait rien de base, mais je lui ai dit si, tu te déplaces quand même pour mes filles, etc. Donc je lui propose, enfin je lui ai pas dit combien je lui donnais, mais voilà, ça me fait plaisir de lui donner 50 euros, ça pourra lui faire plaisir et voilà. Moi c'est comme si c'était une nounou pour mes enfants, donc voilà, 50 euros c'est pas mal. Et j'ai rajouté également ma bouteille de gaz, puisque je chauffe au poêle à gaz à la maison. Et du coup, je ne l'avais pas budgétisé le mois dernier. Donc, j'ai dû prendre sur ma carte bleue. Là, je le budgétise à 50 euros puisque la bouteille coûte 44 et quelques. Donc, voilà, je le mets à 50 euros. Ce qui nous fait un total de 292 euros dans les charges variables. Et il nous reste du coup un reste à vivre de 1632,06. Voilà. Donc là, on a 1632 pour les enveloppes du mois et les épargnes. Ensuite, du coup, les enveloppes du mois. Donc là, en alimentation, je reste à 440 euros. Donc, c'est-à-dire 120 euros la première semaine, 100 euros la deuxième, 120 euros la troisième et 100 euros la quatrième. On s'en est super bien sorti ce mois-ci. Donc, je pense que pour l'instant, je vais rester comme ça. Donc, ce qui nous fait un total de 440 euros pour le mois. Voilà. Ensuite, animaux, on reste sur 60 euros. Donc, là, du coup, pour la dernière semaine, j'ai 10, je crois. Donc là, on repart à 20, 10, 20 et 10. Donc, on est à 60. Ensuite, entretien hygiène. Hop. On est à 40 euros. Donc, 10 euros par semaine. Donc, 40 euros. Pour le divers sorti, je reste à 80 euros la semaine, sauf que... n'importe quoi. Sauf que là, je rajoute 100 euros parce que mon chéri, le 19 février, part une journée au ski avec ses amis. Et du coup, je lui prévois 100 euros pour la journée puisqu'il faut la location, etc. Il avait déjà fait ça quand on est allé chez mes beaux-parents pendant les fêtes de Noël. Il avait fait une journée ski et il en a eu pour 80 et quelques. Donc du coup, je lui mets un petit budget de 100 euros. Donc, ça veut dire que là, je mets 20 euros pour la première semaine, 20 euros pour la deuxième, 20 euros pour la troisième, 20 euros pour la quatrième. Et je rajoute les 100 euros pour la semaine 5, sauf que je lui donnerai, je crois que ça tombe la deuxième ou la troisième semaine de février, je ne sais plus. Mais de toute façon, les 100 euros seront dans l'enveloppe, donc j'aurai juste à lui donner. Donc, on est sur 180 euros pour le divers sorti de ce mois-ci.
Shopping, je me suis laissé 50 euros. Donc là, c'est 50 euros donc pour le mois. Donc je les mets directement à la première semaine. Santé, je suis restée également à 40 euros. Voilà, parce que maintenant j'ai deux enfants et bébé aura peut-être besoin de pas mal de petites choses si jamais elle est malade ou quoi. Mia, on lui laisse toujours ses petits 10 euros. Voilà. Bébé, du coup, bah, c'est toujours 100 euros parce que je m'en suis super bien sortie avec ça. Donc 20, 20, 20, 20, je mets 20 euros pour la, pareil, pour la semaine 5. Il n'y a pas de 5 semaines, hein, je crois, au mois de février. Je ne crois pas, d'ailleurs. Ouais, non, je ne crois pas qu'il y a 5 semaines. De toute façon, je verrai bien. Au pire, je bougerai un petit peu mes enveloppes, mais je ne crois pas. Donc, du coup, on est à 100 euros pour le mois de février. Mon chéri, du coup, je reste à 40 euros pour sa semaine. Hop là, donc c'est 10, pardon. 10, 10, 10, 10. Hop, et c'est fait 40 euros. Donc là, pareil, hein, pour chaque semaine, je lui donnerai. Donc déjà là, quand il partira dans sa semaine, il aura 110 euros pour lui. Donc ça, c'est cool. Le tabac, je mets toujours rien parce qu'il a toujours du tabac. Donc ça, c'est trop bien, ça économise 100 balles. Voilà. Le coiffeur, je lui mets 10 euros, enfin 20 euros. Donc je lui mets 20 euros, hop, dans l'enveloppe. Achat internet, on remet 50 euros. Voilà, j'espère que vous voyez toujours bien. J'aurais dû prendre un crayon plus flashy. Et essence, je remets... Alors par contre, essence, je mets 80 euros. D'habitude, je mets 50. Mais là, comme je dois faire des allers-retours pour aller chercher mes filles chez ma sœur, etc., je pense que je vais consommer un petit peu plus que ça. Donc je me suis calculé 20 euros par semaine, puisque comme vous le voyez dans mon enveloppe essence, je mets le plein, c'est pratiquement 20-25 euros, donc je ne mets pas plus. Donc, je pense que 20 euros par semaine, ça devrait suffire en sachant que là, il me reste, je crois, 30 euros. Donc, ça cumulera. J'ai oublié l'école. 10 euros. Bon, elle n'en aura peut-être pas besoin ce mois-ci puisque après, c'est les vacances. Donc, voilà. Ce qui nous fait un total de 1120 euros d'enveloppe du mois. Il nous reste donc 512,06. Donc, il nous reste à peu près 500 euros pour nos enveloppes épargne. Ça, c'est bon. Ensuite, du coup, les enveloppes épargne. Hop. Donc, pour nos enveloppes épargne, je vais remplir les enveloppes les plus prioritaires, les plus importantes. Dans un premier temps, le déménagement. Donc, le déménagement, vous le savez, je vous en ai parlé, je dois être à 2000 euros pour le mois de juin. Donc, ça nous fait 160 euros à mettre chaque mois jusque-là. Donc là, je coche la case cash et on met 160 euros. Ensuite, pour les anniversaires, pareil, il faut que je le mette chaque mois. J'ai écrit n'importe quoi. J'ai écrit Annie VCR, bien sûr. Bon, bref, en cash, donc 50 euros. Total énergie, ça, pareil, il faut que je le mette tous les mois. Donc, ça, c'est 30 euros. Ensuite, j'ai les épargnes des filles. Ça, pareil, tous les mois, il faut le mettre. Donc, épargne Mia et épargne Luna. Donc, là, on met 10 euros chacune. Donc ça, c'est du virtuel. Donc 10 et 10. Ensuite, j'ai mis quoi? J'ai mis fonds de secours. Donc ça, c'est du cash. On a mis 50 euros. Voiture. J'ai mis 50 euros également. Santé. Hop. 30 euros. Vacances. Après, voilà, là, les enveloppes qui sont vers la fin, c'est ce que j'ai décidé de mettre selon ce qui me restait, en fait. 30 euros. Pour les enfants, donc j'ai une enveloppe virtuelle, donc c'est pour leur épargne, donc ça sera pour plus tard. Et j'ai une enveloppe enfant quand même, au cas où ils auront besoin de vêtements ou quoi que ce soit. D'ailleurs, j'ai toujours pas trouvé... Enfin, je suis toujours pas allée faire les soldes pour les filles, donc je pense que là, ça va pas tarder, puisqu'il lui faut que j'achète des vêtements pour... Enfin, des pyjamas pour Luna. Des pyjamas chauds parce que j'en ai, mais c'est du 6-9 mois, donc elle est un petit peu trop petite. Donc enfant, j'ai décidé de mettre 30 euros, 20 euros, pardon. Hop. Animaux, donc animaux, on met 20 euros. Et pour la chambre des filles, parce que je voudrais la continuer, puisque comme on va déménager au mois de juin, j'aimerais bien avoir un petit budget pour commencer à faire leur chambre. Donc je leur ai mis 20 euros.
Donc, normalement, c'est tout mis. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. Donc, on a un total de 480 euros. Ce qui nous reste sur le compte 3209. Voilà. Donc, moi, je ne fais pas le budget zéro. Hein. À partir, je pense, du mois prochain, donc je vais le marquer ici, il faut que je rajoute une enveloppe retraite. Voilà, parce qu'avec mon chéri, on en a parlé. Et ce serait bien qu'on commence à mettre de l'argent pour notre retraite, puisque ça va être très dur à ce moment-là. Donc, du coup, il y aura une petite enveloppe retraite pour le mois prochain. Donc, on mettra, comme on est deux, j'essaierai de mettre, de faire en sorte de doubler l'enveloppe à chaque fois pour qu'on ait le même montant tous les deux. Voilà, ce serait cool. Et bien, voilà, j'ai tout rempli, me semble. Oula! Mon petit brouillon, je crois que j'ai plus rien à remplir. Je n'ai plus rien à remplir. Donc voilà un petit peu mon budget du mois de février qui a eu des petits changements. Mais je suis plutôt satisfaite parce qu'il y a des choses que j'en aura terminé de payer. Donc ça, c'est cool. Et je vais voir au niveau de mes crédits si je ne peux pas augmenter mes mensualités justement puisque j'en ai deux qui se finissent. J'ai le Honey Bank et le mini crédit de la trottinette de mon chéri. Donc pourquoi pas augmenter une mensualité. Je me tâte aussi, vous êtes nombreux à m'avoir dit de faire genre une enveloppe une petite enveloppe crédit-dette pour que je puisse payer en anticipation. Mais en fait, je trouve pas l'intérêt en fait parce que si je mets des sous de côté pour payer mes crédits en anticipation alors que j'en paye par mois, en fait, ça revient au même que de laisser... Enfin bon, je sais pas si vous avez compris. Mais pour moi, ça revient au même puisque j'ai déjà un prélèvement par mois. C'est-à-dire que si je mets... je sais pas, je dis une bêtise, là j'ai un crédit 35 euros sur une carte et que je mets 40 euros dans une enveloppe. Alors certes, une fois que l'enveloppe sera un petit peu plus remplie, je pourrais anticiper mon remboursement, mais c'est comme si j'avais payé plusieurs mois en fait. Je sais pas si vous avez compris, mais bon, je me suis comprise moi-même. Bref, donc à voir au niveau des crédits dette si je fais quelque chose en plus. Donc voilà pour nos revenus, nos crédits dette, nos charges fixes, nos charges variables. Donc après, charge variable, voilà, là, le mois prochain, il n'y aura plus la facture école. J'aurai plus Honey Bank, j'aurai plus la trottinette. Donc déjà, on aura un petit peu plus d'économie. Et après, comme je vous disais, là, je l'ai fait vraiment au minimum. Donc s'il faut, on aura un petit peu plus sur nos salaires. Donc on pourra rajouter dans les épargnes. Mais ça, je vous le dirai quand on fera le remplissage ensemble. Donc voilà un petit peu pour les enveloppes du mois que j'ai juste augmenté au niveau du divers sorti pour la semaine de mon chéri. Après, tout le reste, je crois que ça n'a pas bougé. Si, peut-être pour l'essence, juste. Et après, le reste, ça n'a pas bougé. Et pour les épargnes, voilà, j'ai voulu remplir mes enveloppes en priorité. Donc, il y a des enveloppes que je n'ai pas remplies. Genre la déco de maison, j'ai pas rempli quoi. Noël, enfin voilà. Tout ça, pour l'instant, je ne les remplis pas. Je remplis vraiment la priorité. Et puis, voilà. Donc, voilà un petit peu pour mon budget du mois de février. J'espère qu'en tout cas, vous avez bien vu parce que j'ai pas beaucoup de luminosité. Il commence un petit peu à neiger là chez moi. Donc, il fait un petit peu sombre. J'aurais dû peut-être allumer la lumière. Bref, je vous zoomerai au niveau du montage. Ce sera beaucoup plus simple. Donc là, on est bon pour le mois de février. Je vais juste vous montrer mes petits défis que j'ai décidé de faire au mois de février. Donc, ça vient toujours de la chaîne Mes économies et défis. Ce que j'ai décidé de faire, puisqu'il y en a à chaque fois un 3. Je crois qu'elle en sort à peu près 3 à chaque fois pour le mois. Pour le mois de janvier, je vais y arriver. Pour le mois de janvier, j'en avais choisi 2. Ce que je vais faire, c'est que sur l'un des deux, donc déjà, si je ne les finis pas au mois de janvier, c'est pas grave, je les cumulerai sur le mois de février. Et en fait, sur l'un des deux, je viderai ce défi-là que à la fin de l'année. Chaque mois, je prendrai un défi du mois et je le garderai jusqu'à la fin de l'année. Comme ça, à la fin de l'année, ça fera, le défi du mois que j'aurai choisi. Je viderai entièrement, donc ça sera cumulé avec tous les mois. Et voilà, j'ai décidé de faire ça. Comme ça, moi, à la fin de l'année, je sais que j'aurai une grosse somme à mettre dans les épargnes et ça, ce sera plutôt cool. Et pour les autres défis que je viderai chaque mois, ce sera pour notre week-end en amour avec le chéri. Et une fois que notre week-end sera passé, ben, je l'utiliserai pour une autre utilité, tout simplement. Bref, du coup, pour le mois de février, elle en a sorti 3. Donc, elle a sorti le défi Saint-Valentin, donc le bocal de l'amour. Franchement, ils sont trop, trop beaux. En sachant que elle, quand elle les montre, ils sont en noir et blanc. Mais elle voulait, enfin, vous pouvez les imprimer en couleur. Elle vous les envoie en couleur.
Donc là, on a celui-ci pour une économie de 45 euros. Donc, c'est des sommes qui va de 1 euro à 3 euros, il me semble. Ouais, c'est ça, avec des petits cœurs et tout. Je trouve ça trop mignon. Donc voilà, on a celui-ci. On a le défi février. Donc, c'est le même que celui de janvier, sauf que c'est pour février avec des petites coupes de glace. Il me semble, oui. Et elles valent 1 euro. Chaque coupe de glace valent 1 euro. Et c'est pour une économie de 28 euros. Et vous pouvez faire un, enfin, vous pouvez mettre un petit bonus de 2 euros pour aller à 30 euros. Voilà, on a celui-ci. Et pour terminer, elle a fait le défi du calendrier février. Donc, que je trouve très, très mignon. Voilà, donc elle a fait chaque jour de la semaine avec des logos différents. Et ici, vous avez le lundi à mettre 1 euro, le mardi 2 euros, le mercredi 1,50, le jeudi 2,50, le vendredi 50 centimes et le samedi 3 euros. Et le dimanche, on met rien du tout. Ça, c'est vrai que ça m'avait plu. Elle en a fait plusieurs déjà, mais je les avais jamais fait. Et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, à voir pareil. Hein, moi, si je finis pas tout au mois de février, je les cumule avec le mois suivant. Moi, c'est pas parce que c'est marqué février qu'il faut vraiment que je les finisse au mois de février. Chacun fait ses défis comme il a envie de faire. Et du coup, voilà, je trouve ça plutôt pas mal. Et bien évidemment, le 14 février, elle nous a mis une case à 5 euros puisque ce sera le la Saint-Valentin. Donc, je trouve ça génial. Alors, il n'y a pas le total. Ça, je trouve ça bien aussi. Comme ça, on découvrira à la fin du mois le montant qu'il y a à l'intérieur. Donc, voilà, je l'ai trouvé plutôt pas mal. Donc, voilà pour ces trois défis du mois de février. D'habitude, j'en choisis que deux. Mais là, j'avais envie de faire les trois. Et comme je vous disais, ben, moi, je l'ai fait... quand je peux, c'est-à-dire que là, moi, quand j'ai une pièce d'un euro, je viens cocher. Je sais qu'il y en a certains qui mettent directement 10 euros et alors, chacun fait ce qu'il veut, mais je trouve plus ludique de mettre vraiment 1 euro, enfin, c'est ce qui est prévu, quoi, 1 euro par coupe de glace. Voilà, moi, je fonctionne comme ça. Et puis, voilà, donc, je trouve ces défis vraiment très, très bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne et son Instagram, elle vous les envoie en photo. Voilà un petit peu pour le budget et les petits défis que je fais ce mois de février. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi, vous avez déjà établi votre budget du mois de février. Et nous, on se retrouve, ben, de toute façon, je vous retrouve vendredi pour le bilan de la dernière semaine du mois de janvier et le bilan du mois. Voilà, on est déjà à la fin du mois. Et normalement, la semaine prochaine, on se retrouvera pour le remplissage du mois et des épargnes. Si nous avons reçu notre paye, normalement, on devrait la recevoir la semaine prochaine. Là, il nous reste, je crois que la semaine prochaine, c'est lundi, mardi, c'est le 30-31. Donc, nous, je pense qu'on fera deux jours blancs, puisqu'on a de quoi manger à la maison. Donc, je pense qu'on tiendra les deux jours, en sachant que, voilà, on travaille midi et soir pour... soit l'un, soit l'autre. Forcément, on ne mangera pas toute la journée, quoi, si vous avez compris. Donc, on fera les deux derniers jours du mois en semaine, enfin, en jour blanc. Et dans ces cas-là, si on a reçu notre paye à ce moment-là, je vous ferai le remplissage pour commencer le 1er février. Voilà. Bon, ben, c'est tout ce que je voulais vous dire pour cette vidéo. Merci, en tout cas, de l'avoir regardée. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des conseils, des avis, etc. Ça me fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye !